Ils viennent de gagner le plus prestigieux concours de cuisine d'Europe. Les Hongrois remportent la finale européenne du Bocuse d'Or sur leur terre. Cette année, il était organisé à Budapest. Les 20 chefs en compétition devaient livrer leur interprétation d'un plat de viande et d'un autre de poisson, 2 jours de stress et enfin la libération. Combien de travail et d'entraînement derrière ce succès? De nombreuses années de travail et 4 mois et demi d'entraînement. Tamás Zell a 34 ans. C'est une des figures montantes de la gastronomie hongroise. Chef de l'un des premiers restaurants étoilés de Hongrie, il a réussi à faire sortir l'image de la cuisine hongroise, du traditionnel goulash. Autour de lui, uniquement des professionnels aguerris. À l'image de ses dauphins, les chefs norvégiens et suédois. C'est une compétition avec de vrais chefs. Ce n'est pas une télé-réalité, mais quelque chose comme un événement sportif. Tout est en direct devant le public. Les 11 premiers du concours se qualifient donc pour la finale mondiale qui aura lieu l'an prochain à Lyon. Organiser la finale européenne du Bocuse d'Or est déjà une réussite. Mais dans le cas de la Hongrie, il y a une autre victoire. Pour la première fois de l'histoire du concours, le pays hôte a pu choisir les ingrédients des deux plats.